Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal, avec donc une configuration que l'on avait senti venir. Hier, je vous indiquais que en multipliant les tests ici sur la zone des 5060 points, cela pourrait aboutir à une cassure de ce support. Nous avions ici des cours qui évoluaient bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui laissait plus de place à une baisse qu'à un rebond. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Puisqu'hier, le CAC 40 a clôturé juste sous le support des 5060, validant une nouvelle attaque de ce support. Et avec l'ouverture de ce matin qui se fait sur un gros gap baissier, eh bien, on valide la cassure de ce support majeur avec donc des cours qui évoluent actuellement autour des 5000 points. Alors, c'est une configuration technique assez propre, puisque nous avons ici cassure de ce support majeur sur un gap baissier, mais qui valide la poursuite ici d'une dynamique qui est orientée à la baisse et qui pourrait accélérer désormais. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste baissière. Nous sommes ici en unité de temps H4 avec donc des histogrammes qui repassent ici dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Un RSI qui revient ici en zone de survente accompagné du stochastique. Donc on le voit sur cette nouvelle accélération, eh bien nous avons des indicateurs qui suivent avec donc une dynamique qui reste baissière. Alors, pour aujourd'hui, quels seront les points à surveiller? Eh bien, nous avons une extension de Fibonacci que nous avions tracée ici sur la phase de rebond technique qui nous donne un objectif à 4967 points. Objectif donc lié à la cassure donc sur gap qui valide tout à fait cette configuration et donc qui pourrait être atteint dans la journée. Naturellement, ce qu'il faudra surveiller aussi, c'est l'éventuel comblement de ce gap. Alors, si ce gap était comblé, tant que 5060 reste résistance après avoir été support et testé à de multiples reprises, eh bien, tant que cette zone ici reste résistante, eh bien, on valide la poursuite du biais baissier avec donc possibilité d'accélérer donc désormais sous la zone des 4967 points et découvrir de nouveaux points bas significatifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de diffusion macroéconomique majeure cet après-midi. Ce matin, il faudra attendre cet après-midi avec le discours du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre qui est prévu à 17h20 pour avoir éventuellement des éléments qui pourront ramener de la volatilité sur les marchés. Voilà donc pour ce point matinal. Passez de bons trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.